Passe dans l'aile pour Alexandre Doucet. Et c'est Pellerin qui reprend la rondelle, intercepte, ça mène territoire adverse. Pellerin sort, c'est voilà le but! Maxime Pellerin, du côté de la mitaine, un tir précis et vif, et les Tigres prennent les devants 1-0. Mirza Balayev reprend son lancer, arrêté. Attention, Martin qui va tenter de s'échapper. Là. Martin s'était donné un élan, ça mène dans l'aile. Martin, son tir, voilà le but! Jérémy Martin, à son 200e match dans la Ligue d'Hockey Junior Majeur du Québec. Il marque un gros but, c'est 2-0 les Tigres. Un vétéran de 20 ans qui s'était donné une petite avance, une longueur d'avance lorsque la rondelle a été reprise par les Tigres. Il était déjà derrière la défensive. Et on va demander un temps d'arrêt du côté des Foreurs. Temps d'arrêt demandé par Maxime Desruisseaux. Mirza Balayev, son dégagement arrêté par Michaud. Et c'est conservé, le beau travail de Martin. Attention, Daigle qui laisse à Michaud. Le tir de Michaud. Bel arrêt de Boileau. Bervaux effleure la rondelle au passage. Là, ça monte sur le dessus de la rampe. Et Prichepov qui pousse pour lui-même. Possible de contre avec Pellerin. Prichepov dans l'aile. Prichepov son tir. Arrêt du gardien. C'est tout près dans le demi-cercle. On a empêché. Les Tigres au 14e rang en avantage numérique. Voilà la paquette sur le jeune frère qui sont en duo utilisés sur la patinoire. Longue remise pour Gorionov. En entrée de territoire, Gorionov remet Daigle, le tir, bel arrêt! Le maintenant au centre. Sur le flanc gauche, coupe entre les deux défenseurs. Bidor affine près du filet pour Michel. Tire, bel arrêt de Darvaux. Contre-attaque des Foreurs à 3 contre 1. Dans l'aile, c'est Robida. Dérocher ce défenseur. Robida, ça va sortir. Bel arrêt. Ça glisse entre les deux défenseurs jusqu'à l'autre bout de la patinoire. Gauthier pour chasser par Blouin qui l'emprisonne près de la rampe. Il y a Gendron qui reprend. Laisse à la rose. Une belle feinte devant le filet. Bel arrêt de Boileau. Boileau ferme la porte. Quelle feinte de la rose. Dérocher, c'est avancé, laisse à Prichepov derrière le filet pour dérocher devant Gorionov, bel échange à 3, le retour et quel arrêt de Boileau! Pour Roy. Roy envoie la rondelle chez les Foreurs, c'est repris par Nadeau. Nadeau son tir, arrêt de Boileau, le retour devant Odette et voilà le but! Eddie! Édouard Carrier qui marque et c'est 3-0 les Tigres. Avec 7,52 à faire à la deuxième période. Édouard Carrier qui marque son premier but en carrière dans la Ligue d'hockey junior majeur du Québec. 7,52 à faire à la deuxième période. C'est drôle parce qu'avant le match, je regardais qu'il y a des joueurs qui n'ont pas marqué leur premier but encore dans la Ligue d'hockey junior majeur du Québec. Blouin devant la rose, en se retournant, bel arrêt de Boileau, tir à bout portant. Un peu faible comme lancé. Brunoumou et son lancé. Bloqué, attention, contre-attaque. Mirza Balayev s'amène dans l'aile. 2 contre 1. Mirza Balayev devant. Et Darvaux qui ferme la porte. On remet devant la rondelle dans le demi-cercle. On s'en sauve. Pelletier qui s'avance. Sur sa gauche pour Prichepov. Prichepov envoie près du filet pour Daigle. Daigle devant le filet. Pellerin son tir. Bel arrêt de Boileau. Contre une équipe qui a rejoué la veille. Daigle maintenant s'amène territoire adverse. On profite d'une chute. Daigle devant le filet pour Michaud. Son tir. Arrêt le du gardien. De David Doucet. À la pointe pour Tchiboulka. Tir de loin. Dévié. La rondelle qui est libre. Desruisseaux. Son tir. Et voilà le but. Là, on dérangeait le gardien devant le filet. Oh! OK. Ça a été poussé avec la patin. OK. J'ai hâte de voir. Ah ouais. Il n'y a pas de but. On ne pourra pas donner. Raccrocher le téléphone. Non, il n'y a pas de but. Tchiboulka. Les deux attaquants étaient derrière la défensive là, chez les Tigres. Là. C'est Provo qui fait dévier vers Mirza Balayev. Son tir touche le poteau pour lui faire perdre. Voilà Paquette qui remet Mirza Balayev à la ligne bleue des Tigres. Passe à Rabida dans l'aile pour Provo. Son tir, voilà le but. Un tir précis. Et les Foreurs s'inscrivent à la marque. William Provo qui marque. Il a tout un tir, William Provo. 3-0-4 à faire à la troisième période. L'écart est maintenant réduit à 2 buts. On regarde ailleurs, il y a un autre but qui a été marqué aussi à Bécomo, mais celui-là par les Voltigeurs qui mènent 4-0 maintenant. Là, il faut arrêter de regarder ailleurs et s'occuper de ce qui se passe ici parce que il a beau se passer n'importe quoi ailleurs. Si les Tigres ne gagnent pas, ça change tout, là. 3 grosses minutes à faire à la troisième période. Devant Pellerin. Mise en jeu remportée par les Foreurs. McCallum pour Michel. Michel pour McCallum. Il retourne à Michel. Michel s'avance. Son tir touche le poteau à la